L'insertion des bits de contrôle entre des bits de données au niveau physique peut se faire dans certains systèmes. Par exemple, c'est ce qu'on fait lorsqu'on met la séquence, la training séquence ou séquence d'entraînement ou séquence de synchronisation dans un burst GSM, mais ce n'est pas ce qu'on appelle l'entrelacement. De façon équivalente, faire un haut exclusif entre une séquence à transmettre et une séquence pseudo-aléatoire, c'est ce qu'on fait lorsque on chiffre les données. Ou ça peut se faire aussi pour l'embrouillage, c'est ce qu'on appelle l'embrouillage. Cela permet de présenter un signal sous la forme d'un bruit, de faire en sorte qu'il ait les caractéristiques d'un bruit. Mais ce n'est pas ce qui s'appelle l'entrelacement. Modifier l'ordre des bits avant le codage correcteur d'erreur, ça peut se faire, mais ça n'a aucun intérêt. Modifier l'ordre des bits après le codage correcteur d'erreur, oui, c'est cela qu'on appelle l'entrelacement. Cela permet, c'est la question suivante et la réponse à la question suivante, d'avoir des meilleures performances, c'est-à-dire que en modifiant l'ordre des bits après le codage correcteur d'erreur, eh bien, si on a des erreurs à la transmission qui arrivent en bloc, cela revient à des erreurs isolées. Donc la bonne réponse est la quatrième réponse. Et pour la deuxième question, c'est la première réponse. Donc, l'insertion d'un bit de parité portant sur n bit, juste après cn bit, peut se faire, on fait des choses un petit peu plus complexes, mais c'est du codage correcteur d'erreur, ce n'est pas spécifiquement ce qu'on appelle de l'entrelacement ou de l'interleaving. L'entrelacement, dans certains cas, va consister aussi à mélanger les bits sortant de plusieurs codeurs. Et ça peut conduire à augmenter le délai de transmission parce que on va transmettre un paquet sur une durée plus longue, mais ça ne réduit pas le délai de transmission. Ça ne permet pas de corriger systématiquement toutes les erreurs d'un paquet. S'il y a vraiment beaucoup d'erreurs, on n'arrivera pas à les corriger. Et en aucun cas, ça n'améliore la sécurité de la transmission, puisque l'algorithme de mélange des bits, l'algorithme qui donne comment on modifie l'ordre des bits, est spécifié, public, et il est constant. Il ne dépend pas vraiment de paramètres. Il n'est pas lié à une clé. Donc, ça n'améliore en aucun cas la sécurité de la transmission.